Salut à tous, c'est Kevin Ravissant. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 du Galactic Canal, pardon, Destroyer sur FTL. Et on va donc vers ce secteur civil. Bienvenue dans un nouveau secteur. Allez jusqu'à la balise de sortie et réalisez un saut vers le prochain secteur avec les rebelles et blablabla. Ok. Alors, un petit magasin. Un petit magasin! Un magasin! Le magasin Salvateur. Il n'y a qu'un seul autre vaisseau, cette balise a une montre de lourds dommages. Vous recevez un message sur votre console. Fait de son voyageur, nous avons été estropiés par une bande de pirates et nous sommes à l'heure obligés de vendre le matériel, le valeur restant, pour qu'elle, les pharisiens, blablabla. Hein, déjà lu. Ah. Mais je m'en fous, on a déjà le bouclier au maximum bientôt. Dommage. Fallait venir plus tôt, les gars. Par contre, seulement 3 essences. Ah 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 ah. Je vous déteste. Attendez, y'a quoi? Non, ok. Il faut une modification ou quoi? Je me demande. Mais moi, j'ai pas d'armes, d'autres armes, pardon. Je pourrais faire ça, mais ça coûte cher. Ça peut être pas mal. Si je fais ça petit à petit. On tape l'esquive. 40% d'esquive, c'est pas mal. Bon ben, c'est assez facile de traverser le secteur pour le moment. Non, je paye pas. Quelle idée de payer. Ça, c'est une DCA, je crois. J'ai un doute. Je crois que c'est une DCA. Oh oui, c'est une DCA. C'est bon. C'est passé tranquillement. Faites pas attention à moi. Oui, mais si vous commencez à fouiller tout le temps aussi. Attaquons les armes et les moteurs. De l'essence, je prends. Je m'en fous. Si ça explosait, il n'y aurait pas d'essence. Dans ma logique, ça semble logique en tout cas. Moi, je le dis comme ça. Donc, un coup, deux coups, trois coups. On achèterait de l'essence en passant là-bas. Alors, il a un lance-missile et un truc. Au revoir. Lance-missile, j'ai vu ça, je me suis dit, ok, au revoir. Par contre, on va explorer le champ d'astéroïdes. Voilà, ça s'est bien passé, là. Ah! Deux magasins. On va faire les deux magasins comme ça en montant, puis on va aller par là. Vraiment rien d'intéressant. Franchement, un NJ combattant, ça n'a pas de sens. Il fait deux fois moins de dégâts. L'essence. Nécessité du coin. Je n'ai pas beaucoup d'essence. Chargement auto, non. Non, c'est pas très important, on va plutôt faire de l'essence. Je prends tout, je m'en fous. Je veux plus jamais avoir de problème d'essence. Pas de carburant, c'est pas de l'essence. Mais bon, vous avez compris l'idée. Votre arrivée est accueillie par de nombreuses alertes informatiques. L'éclaireur rebelle automatisé à proximité a déployé un virus perturbant votre système de bouclier. Merde. Espérons qu'il ne causera pas de nouveaux problèmes avant que vous ne puissiez le détruire. Mais quel connard. J'ai qu'un bouclier du coup. Mais quel gros connard quoi. Évidemment il le rate pas. 40% d'esquive mais j'arrive quand même. Ok, yes. Je répare ça l'NG avant que tu meurs. Allez go. Enfin l'NG. Narlis, excusez-moi. Mais il l'a pas réparé? Ah non, il fallait d'abord réparer la brèche, je suis con. Non, ouvrir. Voilà, explose en mille morceaux, salaud. Soigne-toi.
Quand même, il faudrait qu'on ait un nouveau Philippe, ce serait cool, mais bon. Si je le renomme moi-même, c'est pas drôle, c'est mieux quand il arrive de nulle part. Philippe Sauvage apparaît, tout ça. Non, pas ici. C'est une détresse. Bon, on va par là. Une fois arrivé à l'emplacement de l'appel de détresse, un vaisseau civil nous contacte. Merci de répondre à nos appels. Notre navigation FTL s'est détraquée et nous ne pouvons plus calculer l'itinéraire. Pour nous déplacer vers le dépôt le plus proche afin de le réparer. Pourriez-vous nous guider jusque-là? Bah écoutez, ouais. Moi ça me dérange pas. C'est quoi ça? Un soleil. Tout faire ça. Ok, j'aimerais bien faire ça en fait. On prend le risque, tant pis. J'ai déjà pris ce risque aujourd'hui, c'est bon. Je suis pas serein après. Oui. J'aurais peut-être pas dû prendre ce risque. Je n'ai pas de chance. Puis il va bien réussir à toucher mes armes. Voilà. C'est un spoiler alerte, hein. Mais il tire déjà? C'est quoi ce rechargement de fou? Recharge ça, toi. Non! Esquive! Ok. C'est pas important. Oh la merde. Oh la merde. Oh la merde. Non, peut-être ça. Pourquoi ça tirait là? Ah non, ce sont les armes, pardon, c'est bon. Mais ça tire quand même encore! Là, il touche par contre, ouais, ok. Non, pas de reddition, vous m'avez fait trop chier là. Voilà. Hank! Hank, où es-tu? Hank, va te soigner. Salaud. Mais non, rejoins ton poste, salaud. Ah non, on s'en va, on s'en va. Je ne veux plus savoir ce qui se passe. Au revoir, oui, au revoir, le soleil. Vous étiez joli. Bon. Vente 15 missiles. Allez, au revoir. Donnez-moi plein de scraps, j'adore ça. J'ai pas utilisé des missiles pour le moment, donc. Oh, les scraps. Bon. Le carburant et les scraps, pour le moment, ça se passe bien. Oh, la cage de stockage! Ah, il est beaucoup trop barmé. J'ai 300 de scrap, c'est pas mal. Par contre, ça me fait chier, je n'ai pas encore eu d'autres choix. Bleu, du coup, je n'aurais pas la. Mais je l'ai eu! Qu'est-ce que je raconte? Mais si, je l'ai eu l'épisode suivant, précédent. En plus, je commence à confondre le passé et le futur, mais non, c'est bien compliqué, hein, la vie, hein, franchement. Franchement, je n'ai pas tout ce que je dois vivre. J'ai tout raté. C'est pas possible. C'est pas possible d'être un raté comme moi. Je suis un raté. Bientôt niveau supérieur Noctis, c'est bien. Bah oui, récupération de scraps, pourquoi pas. Ah. Non mais faut pas le charger là. Non, c'est pas important ça. Modification. Quoi qu'il arrive, je pense que je peux me permettre de faire ça. Voilà. Secteur suivant, et on va au secteur civil. C'est parti. Bienvenue dans un nouveau secteur. Allez jusqu'à la balise de sortie et réalisez un saut vers le prochain secteur. Pour... Blablabla. Les prochains secteurs avant que les rebelles qui nous poursuivent, qui vous poursuivent, enfin nous poursuivent nous parce que c'est nous en fait finalement, ne vous rattrapent. C'est compliqué le français. Bon. Faut que j'arrête de parler, je pense maintenant. C'est... Voilà. Allons au magasin. C'est bien aussi. Non, rien d'intéressant.
vraiment. Surtout répare, quoi. C'est rien, vraiment complètement nul. Non, c'est pas important non plus, ça. Réparons un peu. Allons vers. C'est une nébuleuse là? Oui, c'est une nébuleuse. Voilà, je sais pas si on était dans la nébuleuse, ça je voulais dire. Oh là là! Je suis en facile, hein! Ils me sortent de ces trucs. Mais mon dieu! Ah, ils tirent tous en même temps en plus. Ah! Putain! Ton cul, la balayette! Je vous emmerde. Tous les boucliers, quoi, ça me saoule. Vas-y, charge le laser anti-coque parce que. On en aura besoin. Tire là aussi, toi, quand même. Je t'emmerde, le drone! Voilà! Voilà! Gimme money. Gimme all your money. Alors, ça peut être pas mal. Ça, c'est pas mal. Ou alors, je mets que de l'esquive, peut-être. Peut-être une arme en plus aussi serait cool. Je vais mettre en arme ici. D'esquive encore. Là, juste après, il y a un magasin évidemment parce que j'ai pas de chance. Un soleil, non, merci. C'est gentil. Déjà, c'est bronzé sur le dernier soleil sur lequel on est allé. On explore. Ok. Ouh. Toujours peur qu'il y ait un truc qui se passe mal sur cet event là. Tomber sur un éclaireur de la flotte rebelle. Et ils veulent s'enfuir. C'est pour prévenir qu'on est. Ça, c'est les rayons qui font incendiaire, je pense. Ça, vous le savez. Et ça, c'est une surcharge de bouclier. Ça, vous le savez aussi. Merde. Vas-y, tire mon artillerie, s'il te plaît. Non, ne tire pas alors, ne tire pas. On n'aura pas le temps de le tuer celui-là, je pense qu'il va réussir à s'enfuir. C'est presque sûr. Si j'avais tiré seulement aussi. Mais le con, et voilà. Noctis a pris un niveau. 30% de recharge plus rapide au bouclier maintenant. Bon allez, vas-y, barre-toi. Hank, va te soigner. Moi, j'en peux plus. Mais oui, mais accélère la flotte tant que tu veux. Je suis plus à ça près, c'est parti. À ta place. À ta place. À ta place, merci. Un, deux... Ouais, ok, c'est bon. On fait un grand saut, du coup, le truc. Le truc, c'est marrant, ce serait de faire ça. Dans une nébuleuse, du coup il faut juste un saut normal. Ce serait nul du coup pour eux. Détecter un éclaireur rebelle s'apprêtant à attaquer un petit avant-poste de ravitaillement. Leurs armes sont chargées, mais ils n'ont pas encore tiré. Intervenons. Le rebelle répond à votre menace. Je ne sais pas qui vous êtes, mais personne ne défie la flotte rebelle. Et il se déplace pour vous engager. Eh bien, moi je défie la flotte rebelle, voilà. C'est quoi? Intrusion ionique, oui d'accord. Mais encore. D'accord. Je suis en train de descendre du coup, oui. Oui. D'accord. Mais encore. What's the point of this? Ah mais c'est une saloperie en fait! Ça se balade partout! Mais. Ah, ok! Mais c'est une grosse connerie en fait!
et de la saloperie de qualité. Ah, j'aime bien. Ah non, j'aime vraiment bien, lol. Il est soigné, non? Ah, si. Ok, quand je me suis mis là par contre. J'arrive pas à accorder mes deux lasers, ça m'énerve. Il y a un timing. Il y en a un qui est plus rapide que l'autre, ça me saoule. Non! Non, Price! Why you do this, Price? Par contre, Noctis, non, 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 j'ai dit. Noctis, tu vas te sauver. Non! Price! Price est mort! Non! putain, tu fais chier quoi. Bon, Narlis, faut tirer par ça. Faut qu'on venge Price. Même si tu t'en fous. T'as l'air de complètement t'en foutre, toi. En effet, quand tu regardes là, franchement, ton regard vide et vitreux. Alors, j'arrête pas de tonner mes potes. Ils vont détester après cette série. Alors, retournez. Non, j'ai enregistré les emplacements. Voilà. Ouais. Bon, ça se passe plutôt mal. Mal mais bien, mais bien mais mal. Mais pas tant que ça que bien. Bon. Et bien finalement on fera pas une flotte de débarquement pour le vers la fin. On va aider le vaisseau civil. Évidemment, il est tombé sur un truc qui lance des missiles encore. Parce qu'on en avait pas encore assez. Je pense que je vais essayer de voir si je peux pas acheter un lance-missile à 1 de puissance. Évidemment. Ce missile va m'en lancer 5-6 missiles comme ça, c'est sûr et certain. Oh oui! Oh, le laser m'a sauvé, oui. Allez! Donc celui-là prend plus de temps à charger. Ok. J'aurais jamais dû prendre tout le temps en fait, j'aurais dû prendre un autre. Bon. Continuons à détruire cette merde. C'est un gros chasseur quand même, Adrien. Un chasseur rock. C'est du type rock en tout cas. Il n'y a pas un seul rock dedans par contre, mais bon. C'est dommage. Sûrement du racisme encore envers les rocks. Moi j'en ai un dans mon équipage, donc je suis pas raciste, voilà. Legit. Contactez. Oh, il répare ma coque, mais oui, c'est bien ça. On va peut-être aller 1, 2, 3, 4. Ce serait bien ça. Continuons à farmer un petit peu. Sinon, les vidéos sont un petit peu courts, je pense. Et puis, ça m'arrange aussi de farmer ou de ne rien faire aussi, c'est bien. C'est très bien. Bon, ne rien faire, c'est encore mieux, voilà. ouais, allez, donne le carburant. Merci beaucoup, oui, oui. Merci, merci. De rien, je vous aime aussi. Oh 10 pour 2, ben oui. Clairement! Et on s'en va! Et Zoltan le civil, Zoltan le civil, Zoltan le civil, Zoltan, c'est bien. Vous êtes entré en territoire Zoltan. Cette espèce n'est pas réputée pour son hospitalité, mais vous pouvez toujours compter sur son jugement impartial. Ok. Bon, secteur 7. Modification. Qu'est-ce qu'on pourrait modifier? Je sais pas encore, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Et je vends cette merde aussi. Que j'achète de nouvelles armes peut-être.
Excusez-moi. Ou alors ça. Encore un peu plus d'esquive, peut-être. Je ne sais pas. On verra ça dans le prochain épisode. J'espère que vous appréciez cet épisode. J'ai dit trois fois le mot épisode. Épisode, épisode, épisode. Ça fait beaucoup trop de fois à la suite. En aussi peu de temps. Mais tant pis. Donc, n'hésitez pas à laisser un pouce vert si vous avez apprécié. Partagez la vidéo. Commentez. On répond à tous les commentaires en général. Vu qu'on fait beaucoup de vidéos à l'avance, on ne fait pas beaucoup de. On ne peut pas vraiment prendre en compte vos commentaires. Donc, pour cette run-là, je ne pourrais pas prendre en compte les commentaires, par exemple. Mais pour les prochaines, du coup, bah, si vous avez des conseils ou quoi à donner, n'importe quoi, ce sera le bienvenu. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. Et on se retrouve donc pour la suite, qui est normalement que ce sera le dernier épisode, normalement, de cette run, si on réussit. Si on réussit pas, bah, je refarmerai de mon côté pour la réussir. Mais pour vous, ce sera le dernier épisode, en considérant qu'on aura réussi quoi qu'il arrive. Voilà. Ou alors, je reprendrai à. Générique de fin ou quoi si je réussis une fois. Bref. Sur ce, je m'en vais. Ça fait trop longtemps que je parle. Donc, salut à tous!